Hello, and today we have a new extensive video to share with you, one of those walkthrough visits that you guys seem to really like. And we are about to wander around the full manufacture of De Béthune and discover together how they are set up in order to produce some of the nicest watches of independent watchmaking. Distinctive design and distinctive technicity, a brand which really contributed immensely in defining a contemporary take on traditional watchmaking. So let's go and enjoy the ride. De Béthune is not a brand. We are really not interested in making toys for boys. De Béthune is a watchmaking art in 21st century. La technique et l'esthétique et les formes sont complètement liées. Pour moi, et je l'ai souvent remarqué et vécu, quand on réussit à faire une fonction technique simple et efficace, les pièces sont tout simplement belles. Beauty is design. But design is also something useful. You can see that's why we was developing the floating lugs, why we also have balance wheel, that even that element of design, they are made to be more aérodynamique. De Béthune, ça a commencé par une belle page blanche. C'est pas simple au début, il fallait mettre une structure en place. Les deux premières années, on a travaillé sur notre calibre, mais en fait, on a produit des montres où on avait des calibres d'autres manufactures dedans, même si c'est des calibres sur lesquels j'avais participé au développement. Ensuite de ça, on a fait notre première montre qui était la DB15 quantième perpétuelle entièrement de Béthune avec un calibre de Béthune. On était content, on avait enfin joué du classique horloger. Mais évidemment, ça ne nous a pas suffi et je crois qu'il a fallu attendre 2010-2011 pour vraiment arriver à quelque chose avec la DB28, arriver à quelque chose avec ce qu'on avait vraiment envie de faire. Donc ça nous a quand même pris 8 à 9 ans. On est vraiment sur la base de la fabrication, donc l'atelier de mécanique, où on va vraiment, à partir de l'usinage, pouvoir fabriquer tous les composants afin qu'ils puissent être distribués dans les autres ateliers par la suite. Donc on va être sur de l'usinage traditionnel, sur de la commande numérique, toutes des commandes numériques qui vont être palettisées pour pouvoir quand même faire des usinages la nuit, ou en tous les cas sur des longues durées. Et on a aussi plusieurs autres machines, une décolteuse, ça nous permet d'avoir cette indépendance par rapport à la sous-traitance, donc de gérer vraiment la fabrication, les délais et surtout la qualité de nos composants. Donc on va fabriquer essentiellement tous nos axes, toutes nos vis. Et on aura aussi une machine 5 axes. Celle-ci va nous permettre de travailler essentiellement sur les habillages. Voilà. On a des habillages qui sont quand même des habillages de forme assez compliqués. On va usiner les aciers, on va usiner les laitons. Les matériaux aussi précieux, hein, de l'or, du platine. Je pense qu'on va fabriquer 80% des composants total de nos mouvements, de nos montres. Le but, c'est de conserver la fabrication pour gérer tout. Donc la traçabilité, dans tous les cas, et, la qualité. Qualité, finition, les délais et les coûts. Ici, on rentre essentiellement dans le bureau de programmation. Donc, chaque personne va, avant de lancer la fabrication, va programmer sa pièce. Donc tous les plans qui sont édités bien sûr par le bureau technique sont transférés ici. Et donc on va faire après la transformation de ces plans en programme pour pouvoir lancer les machines. Ici on est sur une machine qui va nous permettre de réaliser tous les cerclages. Donc on va positionner chaque roue. Bien sûr, à l'unité, donc nous sommes dans l'obligation de fabriquer des posages bien spécifiques qui permettent de maintenir les roues. Et on va venir, en fonction du matériau qui a été utilisé pour fabriquer la roue, utiliser différents process de cerclage. Le but, c'est de travailler toujours les composants à l'unité. Elles ont des bras bombés, nos aiguilles, mais on a des parties qui sont un petit peu plus hautes et qui sont plates. Et donc, pour pouvoir faire le polyplat sur ces aiguilles-là, on va s'équiper d'un petit gant de cuir, un petit doigt de cuir, et on va venir positionner notre aiguille sur notre meule de buis. Donc, meule de buis, parce que c'est un bois très dur, on va pouvoir y mettre de la pâte abrasive, de la pâte diamant, et on va faire notre polissage
comme ceci, ce qui nous permet de garder des arêtes bien franches. Donc là, nous arrivons à la petite cellule d'anglage où on va préparer bien sûr chaque composant, aussi bien des composants laiton, acier, des pièces en or. Et donc on va faire tout le pourtour de la pièce et donc on va générer cet anglage, donc il va être pris avec plusieurs petites meules jusqu'à une brosse de finition pour avoir un poli parfait. Et ici on rentre dans la cellule de polissage. On va essentiellement préparer tout ce qui va être habillage et on va aussi polir tous les composants un petit peu on va dire atypiques qui vont être les fameux brancards de tout ce qui est DB28. Ces fameux brancards en titane. Donc c'est ça toute la difficulté sur des grosses brosses, de conserver les arêtes malgré tout, ce qui va demander au polisseur d'utiliser des petites méthodes bien spécifiques et qu'il va garder pour lui, tout pour éviter d'arrondir les composants. C'est un peu le centre névralgique de la manufacture. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui va être après en cours de décoration, d'assemblage, de prémontage, va repasser par cette cellule-là. Et on va être tout de suite au courant s'il y a un petit problème quelque part. On a un contrôle dimensionnel, on a un contrôle esthétique. Et au fond, on va avoir la partie stock. Donc, on va avoir ici tout le stock des composants finis qui vont être aussi bien les pierres, les vis. On a un ERP et qui nous permet de suivre la totalité des composants. Leur traçabilité qui est très importante, leur numéro de lot. Tout ça avec les ordres de fabrication. Avant de lancer en fabrication, on prend tous les composants et on va faire leur gamme opératoire. Pour que quand les pièces, on va lancer la série, de suite, je sais ce qu'il faudra faire dessus. Donc là, des fois, on va se dire, tiens, on a zappé une pièce, il faut fabriquer. Je vois avec le bureau technique s'il y a un souci. Et dans l'heure, on a pris les décisions. Et je fabrique même en courant de journée, c'est décoré le lendemain. Et si on est verticalisé et en interne, c'est pas pour dire qu'on est verticalisé et qu'on fait tout chez nous. C'est simplement pour se laisser la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. We don't have to make any politics or any long process to do what we want to do. Et ça, c'est vraiment une base de travail qui est super importante pour moi. Ça oblige à s'organiser de façon presque industrielle sur certaines parties, mais ça laisse une part belle à l'artisanat et à la finalité du travail à la main pour faire passer cette émotion. On a voulu mettre en place une côte différente. On voulait pouvoir ramener la lumière au centre de la montre et donc on a appelé ceci une côte de Béthune car on a la particularité de vouloir inverser la côte en cours de fabrication. Donc notre pièce va être partagée en deux et avec une côte différente de l'autre moitié de la pièce. Et quand vous allez jouer avec la lumière, vous allez voir que la lumière se recentre, que les côtes s'écartent et reviennent au point central. Nous, c'est elles s'ouvrent, elles se referment. Voilà, un petit peu comme un cœur. Ici, tous les composants qu'on a vus en cours de fabrication, en cours de décoration, vont généralement remonter à cet étage ici pour être préassemblés. Tous les composants ont besoin des fois d'y fixer un axe, une pierre. Et donc, on va faire pareil, donc des heures de fabrication pour pouvoir faire le prémontage. Donc là, on se retrouve sur une pièce qui est un cadran qui est terminé, auquel on y a ajouté en plus la voie lactée. Donc ce cadran, il y a trois valeurs ajoutées. La pose des étoiles, qui sont des goupilles en or qui ont été fabriquées au décolletage en bas. Trois tailles différentes, on voit que c'est vraiment des micro-goupilles, auxquelles on doit aussi procéder au polissage de la tête. Mais on a aussi le rajout de la voie lactée. Et la voie lactée va être faite par... Deux choses essentiellement, on va avoir des impacts laser qui vont donner la forme de la voie lactée, qui seront des micro-impacts et qui vont changer la couleur du cadran. Et ensuite, on va venir déposer sur ce cadran une feuille d'or qui va être fixée par de la gomme lac. Et donc, on va déposer cette feuille d'or et après, on va venir enlever de manière très minutieuse beaucoup de feuilles pour laisser que ce côté très vaporeux, voilà, de la voie lactée. Là, on est vraiment dans la structure où on va, la cellule où on va assembler les mouvements.
Il y aura plusieurs cellules en même temps. Dans cette grande cellule, on va avoir le montage du mouvement. Et comme on peut s'apercevoir, là, on a donc Alan qui va en train de remonter une seconde morte. Là, on est sur la cellule emboîtage où on va préparer la mise en boîte, en tous les cas, du mouvement. On est sur une pièce sans aiguille. On est sur la DB28 digitale, équipée d'une heure sautante et une minute traînante. Et donc là, on est juste sur la préparation, en tous les cas, nettoyage de la partie ciel étoilé et pose du cadran. Et après, on va pouvoir mettre tout ceci dans la boîte. Là, on est sur un assemblage de deux composants. C'est deux demi-sphères qu'on fabrique, bien sûr, au décolletage. On aura une demi-sphère qui sera en acier, une demi-sphère qui sera en palladium. Et donc, on va les assembler les deux. Et quand on va polir l'ensemble, on va remplir l'interstice de la châsse. Et donc, on va vraiment se retrouver sur une lune sphérique comme d'un seul bloc. On va vraiment croire que c'est une sphère d'une seule matière. Et quand on va procéder à la chauffe, donc c'est comme ceci qu'on va chauffer nos lunes ou même nos aiguilles hein, sur une petite lampe à alcool et on va toutes les faire l'unité, va arriver l'oxydation uniquement sur la partie acier. Et donc on va voir le bleu arriver uniquement sur cette partie haute et c'est comme ceci qu'on aura cette sphère qui sera bicolore sans démarcation de fabrication. Et bien là, on arrive encore sur un poste de travail où on essaye de perpétuer la tradition horlogère où chaque horloger va prémonter ses balanciers. C'est-à-dire qu'on va faire l'assemblage de nos balanciers. On fabrique nos serges qui sont en titane. On va assembler des masselottes en or. On va river notre axe de balancier, tout prémonter. Et dessus, on va faire l'équilibrage dynamique. Ce qui va permettre par la suite, une fois qu'on a déterminé le poids de notre balancier, de trouver la longueur du spiral qu'on va mettre sur notre mouvement. Donc ça, c'est le plaisir de chaque horloger d'arriver à pouvoir faire son propre réglage et la finition du réglage qu'il souhaite de faire. Tout part bien sûr du bureau technique et le développement et la construction des nouveaux calibres. Alors on va développer sur cette cellule toutes les pièces qui seront les commandes spéciales et bien sûr les nouveaux calibres. À partir du moment où le bureau technique développe, imagine un nouveau mouvement, on va pouvoir, nous, à la production, commencer à sortir des quelques pièces de prototypie qui vont être validées ici, donc avec Jérémy, au laboratoire. Et tout ceci pour pouvoir, après, pouvoir lancer une production si tout a été validé, bien évidemment. À chaque fois qu'on va réaliser un prototype, on est obligé de faire aussi pas mal de tests dessus. Donc on aura une caméra haute vitesse. On aura un variocouple qui va nous permettre de vérifier toutes les frictions. Les moyens mis à disposition pour la recherche et développement au niveau de Béthune, c'est à peu près 20% de notre budget. C'est gigantesque par rapport à beaucoup de monde dans l'industrie et dans l'horlogerie. Ça permet effectivement de surprendre, d'arriver toujours avec souvent, si on peut, une petite longueur d'avance. We want to stay, of course, at the top level in terms of creativity and engineering and innovation, but in terms of quantity, we really want to stay a small, independent manufacturer with the same spirit. Le client de Béthune, à mon avis, est avant tout un esthète. Il recherche un travail soigné, bien fait, il recherche quelque chose d'assez contemporain. Il veut avoir du plaisir à porter sa montre, il recherche un certain confort au porter. Il veut pouvoir utiliser sa montre au quotidien, même si certains les considèrent des fois comme des objets d'art. Je crois qu'en fait, le client de Béthune est simplement monsieur tout le monde qui a envie de se faire plaisir. So one funny little side story that I wanted to share with you too is that once we had finished our shooting in the Jura Mountains, well, we stopped in Sainte-Croix, a village historically known for their know-how in terms of music boxes and automatas, till this day actually. And we just caught up with De Béthune CEO Pierre-Jacques going through a 4 weeks course, familiarizing himself to some of the mechanical cross which enabled him to produce this exceptional piece of, I don't really know how to describe it. Well, hope you enjoyed this. I really love going through these full facility and these watchmakers with you. And we have some more coming. So all the very best to you. Thanks for watching. See you real soon. And a massive Viva Watchmaking!